Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le trailer des Belges sans chaud, je crois, qui se trouve sur la chaîne YouTube de Star Stable Online ou sur leur Insta ou leur Twitter. Bref, on va commencer directement. Ils ont mis Star Stable Orsiz, mais c'est pas Orsiz, c'est Online. Qu'est-ce qu'ils en foutent, j'en vois. Bon, comme d'habitude, je vous laisse regarder avant moi et ben, on commentera ensuite. Alors, de ce que j'ai vu, ils sont plutôt jolis. Donc, dans la première image, on a... Alors, voilà, je suis bien avancée. Un belge sans chaud gris. Un belge B avec une petite pelote toute mignonne. Un noir. Un alazan. Je remarque tout de suite, surtout sur l'alazan, que les reflets sont super et super bien faits. On voit les différents détails au niveau de la croupe, au niveau du poitrail, de l'encolure, de la tête. Ils sont très jolis. Ici, nous avons une espèce d'Isabelle ou de B, je sais pas vraiment. Ça se joue entre les deux, je pense, avec des tout petits pions. Donc ce sera une décoiffure qu'on aura. Encore l'alazan avec le tapis de ce qu'on aura avec et les bandes. Elles sont très très belles. Je trouve vraiment qu'elles sont magnifiques. On a les petits crins en brosse sur les chevaux. On a la coupe sans les crins, avec les crins rasés. Au niveau des allures, on va voir ça directement. Nous avons le trot qui est plutôt pas mal, assez rassemblé et léger en même temps. Le grand galop qui est bien allant avec le saut qui est plutôt mignon. Le petit galop, j'ai un petit souci avec, on dirait le galop du Passofino. Mais pourquoi pas. Le galop est vraiment vraiment très beau. Il est un peu smooth. Tranquille, mais bien pour un abord de saut quand même. Je trouve qu'il a un bon rythme. Ni trop, ni pas assez, et bien dans son amplitude. Le pas qui est pas mal. Hein. Il est bien le pas. Pareil, il est très calme. J'aime bien. On voit qu'il prend le temps de poser ses membres. L'animation d'écran, je suis pas trop fan. Je vais regarder ça un peu plus en détail. En fait, tout bouge en même temps, du coup, ça fait un peu étrange. Ils auraient quasi dû séparer en plusieurs parties pour que ce soit mieux animé. On voit quand même qu'il est super grand. Plus grand que, par exemple, Haflinger. On va regarder un petit peu la morphologie du cheval. Donc on peut voir qu'il a un poitrail plutôt musclé, pareil pour le postérieur qu'on voit très bien, qui remonte également. Donc comme ça, comme ça. Une coulure qui est longue, ça rappelle bien le belge sans chaud IRL, la grande tête bien longue et les membres très fins. Ce sont des caractéristiques de chevaux de saut, donc je trouve qu'ils ont très très bien respecté ça.
Et voilà pour cette magnifique image de fin. Je les trouve vraiment très bien au niveau morphologie, au niveau allure. Et ce petit bémol que je trouve, c'est l'animation d'Aknir qui est pas la plus belle qu'on a eue. On regardera ça en jeu donc mercredi. Je vais en acheter un, c'est sûr et certain. J'ai peut-être un petit coup d'œil pour un cheval. Je vous dirai ça de toute façon mercredi, vous saurez tout. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis et à en discuter dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Et on se retrouve donc mercredi pour l'achat d'une de ces bêtes qui sont mais magnifiques. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner si cette vidéo vous a plu. Bye!